Multimédia est présent sur les trois jours du premier salon du livre d'Hirson, Lire son livre. Jeudi et vendredi, quatre illustrateurs sont présents et proposent des ateliers ouverts aux écoles primaires de la ville. Ils interviennent aussi au collège Cobast, auprès de classes de 6e, 5e SECPA, 4e et 3e. Mais c'est pas tout. Pendant le jeudi et le vendredi, les mini-journalistes des écoles Jean Zay et Charles Clément vont interviewer Lou Ardant, Fabien Ripert, Kira Arcego et Juan Spray, les quatre illustrateurs présents sur les deux jours. Samedi, ce sont 27 auteurs qui seront présents pour dédicacer leurs livres. Pendant ce temps, le Centre Social, les Francas, la Microfolie proposeront des ateliers pour les enfants. L'après-midi, vous pourrez participer à trois mini-conférences avec Valérie Minarchi sur Romain Gary, Philippe Tabary sur Les Estaminets et Philippe Lacoche sur sa trilogie 24 heures pour séduire une femme. Et donc, vous pourrez retrouver tous nos mini-mags sur Facebook et sur YouTube comme d'habitude. Bon week-end et bon salon du livre. On s'est dit que dans un département aussi touché par un taux d'illettrisme très élevé, on s'est dit qu'il serait peut-être judicieux à notre niveau de participer à prévenir de l'illettrisme. Et le projet en lui-même, c'est de doter nos centres de loisirs, principalement au démarrage, de valisettes avec différentes thématiques qui pourraient donner l'envie aux enfants d'ouvrir un livre, de découvrir le monde du livre d'une autre manière, avec pas seulement la lecture d'un livre, mais aussi le découvrir à travers un jeu, à travers une activité. Et le public ciblé au démarrage était un public maternel, les maternelles des centres de loisirs. Donc on a démarré ce projet sur l'été donc 2021. C'est un projet qui finalement s'est ouvert aussi aux primaires, puisqu'on est parti sur différentes thématiques de valisettes, finalement pas que destinées aux tout petits, mais également sur un public primaire, et c'est quelque chose qui a bien fonctionné. On a doté également nos centres de loisirs de livres. On a investi énormément d'argent dans des livres pour chacun des centres. On a investi aussi du mobilier, des petits tapis, des petits coussins sur les centres de loisirs. Et l'idée de ces valisettes, de les faire vivre pendant le centre, c'est également de le faire vivre après dans le cadre d'un atelier parents-enfants. Là, avec la période de crise sanitaire, ça n'a pas forcément été mis partout, mais on a pu l'expérimenter sur deux ou trois sites où on a proposé des ateliers auprès des parents. Alors là, pour le coup, pour les parents des tout-petits, hein, des maternelles, hein, des 3-5-3-6 ans, on les a invités à venir sur un temps de centre de loisirs pour ensuite faire vivre une des valises et ensuite pouvoir l'emprunter, l'amener chez eux et jouer à nouveau avec son enfant, mais dans le cadre familial. Bah, bonjour Maxence. Bonjour Romain. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que tu fais là aujourd'hui au Salon du Livre ? Oui, il n'y a aucun souci. Donc, nous, on représente le Centre Social aujourd'hui. Donc, lors du Salon du Livre, Madame Audin nous a demandé d'être présents tout simplement pour permettre aux enfants aussi d'avoir une petite activité, de découvrir des livres. Donc nous, au niveau du Centre Social, on a prévu plusieurs activités. Donc vraiment pour les plus jeunes, on est dans notre secteur famille, représenté par Madame Delbar et Maria Duchesne, qui en fait proposent tout simplement de préparer un petit livre en papier mâché avec des couleurs et des masques suite au Covid. Et au niveau du secteur jeunesse, en fait, on propose plusieurs activités à des temps donnés, donc 14h30, 15h, 15h30, sur diverses choses telles que raconte une histoire à ton enfant pour du 4-8 ans, l'histoire dont vous êtes le héros,
Alors oui, qu'est-ce que... Bah, je vais vous poser une question. Ah, ça va pas, ça... normalement c'est moi qui pose des questions. Mais bon, exceptionnellement, exceptionnellement, j'accepte, ok. Bon, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce que vous faites ici? Donc nous, au Salon du Livre, on propose des petits jeux en fil rouge. Alors, on a comment je vais présenter ça? Une illustration qui va apparaître petit à petit. Avec les livres préférés des gens qui vont venir sur place. Donc le but, c'est de venir écrire son œuvre préférée. Et petit à petit, on a un dessin qui va apparaître. Ça, c'est le fil rouge un petit peu de la journée. On a aussi ici, du coup, une activité marque-page où les enfants peuvent venir réaliser leur propre marque-page avec lequel ils repartiront. Et dans l'après-midi, nous avons de temps en temps des petites activités, des animations qui vont apparaître. On a des lectures de livres qui vont se faire. La prochaine se fait à 14h30 et sera disponible pour les enfants et les plus grands s'ils le veulent. D'accord, merci beaucoup. Et je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites aujourd'hui au Salon du Livre? Alors nous sommes la structure de la Microfolie, qui est le musée numérique juxtaposé à la médiathèque d'Hirson. Alors là, aujourd'hui, on présente un petit peu les contenus pédagogiques que nous avons. Alors en l'occurrence, ici, on a l'exemple d'un atelier qu'on a réalisé avec des enfants lors du Petit Montmartre du samedi dernier. Donc on a réalisé des cubes en bois avec lesquels les enfants ont pu réaliser leur petit puzzle. Ils ont donc pu repartir avec leur petit puzzle. Et là, aujourd'hui, pour le salon, on présente notre mallette pédagogique 3 ans et plus, qui en fait possède un contenu qui permet de faire découvrir les œuvres d'art, les plus grands chefs-d'œuvre, aux enfants du plus petit âge. En l'occurrence, des tableaux à trous où il faut retrouver les bonnes parties, etc. Là, ici, on a un petit jeu mémotechnique où les enfants doivent reconnaître le moyen de transport et le replacer sur le plan, etc. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, le premier point, pourquoi je me suis intéressé au café? Bon, je sais bien que j'ai une tête d'alcoolo mal repenti, mais il n'y a pas que ça. Mes parents en tenaient un. Une douzaine d'années dans un petit village de l'autre côté de Mondrepuis. Et je suis toujours militant associatif, club de football, etc. Et s'il n'y avait pas eu le café, où aurions-nous tenu nos réunions? Qui aurait reçu notre courrier, etc., etc. Il n'y avait pas de lieu autre que celui-là pour tenir nos assemblées et pour nous retrouver chez nous. Alors c'était vrai des personnes âgées, que je suis maintenant, d'ailleurs ça se voit, il n'y a pas besoin de le dire, mais c'était vrai aussi des jeunes. Et les jeunes, on se retrouvait entre nous, chez nous, dans ce café. Le café est un lieu essentiel dans la vie de nos sociétés. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez présenter un petit peu ce que vous faites? Oui, bien sûr. Alors, en fait, ici, on fait de la littérature jeunesse pour la maison d'édition à Contresens Édition. Alors, vous avez ici la série Prudence et Timéo, donc qui est une série écrite par Sylvain Rumello et illustrée par moi-même, qui sont des livres jeunesse qui traitent des peurs du quotidien. Ensuite, on a une série de livres illustrés aussi pour la jeunesse qui s'appelle Bobo le crapaud, qui est une série écrite et illustrée par moi-même. Voilà. Et ici, des romans jeunesse illustrés en couleur, écrits soit par Sylvain Rumello, soit par moi-même, et des livres que nous avons illustrés aussi. Un livre qui s'appelle Yvan et les petites bêtes, qui est un livre coécrit avec un zoologiste autour du monde des insectes et là plus particulièrement des araignées. Voilà, c'est un roman documentaire en fait pour la jeunesse. Et juste à côté, vous avez les romans de Sylvain qui se déroulent dans un Japon médiéval un peu fantasmé, des histoires fantastiques autour des arts martiaux et des éléments. Voilà. D'accord, merci beaucoup. J'en prie. C'est un lutin. C'est un lutin qui va nous emmener donc sur les traces
de personnages de légendes ou de petites histoires dans les Ardennes, dans la forêt, dans les ardoisières. Et ce petit personnage donc, va nous faire non seulement découvrir le territoire, mais aussi l'envers du décor, la féerie, les lutins, les enchanteurs et tous ces personnages fabuleux qui peuplent notre forêt. Merci beaucoup. Moi, je suis auteur de fantastique et surtout ici de fantastique médiévale. Donc, on retrace les légendes celtiques et bretonnes qui sont rassemblées pour faire une seule et même histoire qui tient en une saga, qui comprendra 9 volumes et ici il y en a déjà 6 disponibles. Le dernier sorti aujourd'hui, tout frais, tout chaud. Voilà, donc ça raconte un peu l'époque où la Bretagne était déjà partagée en deux parties. Il y a le peuple qui s'était tourné vers le christianisme et l'autre moitié qui se tournait encore vers les anciens rites, qui croyaient aux dieux païens, aux dragons, magiciens, aux fées, etc. Et donc, pour éviter l'extinction, les ordres d'Avalon se réunissent pour trouver une solution et donc envoient Taliesin, le jeune magicien, à la recherche de 13 trésors. Et donc, c'est une quête initiatique qui prendra place sur plusieurs volumes. Bientôt la suite ? Alors, le tout nouveau donc, est sorti aujourd'hui. Les 3 autres, à mon avis, sortiront dans les 2 années à venir. Voilà. D'accord, ben merci. Merci à vous. Alors, cette trilogie, elle consiste 24 heures pour convaincre une femme. Voilà. Le premier, où apparaît Pierre Chaunier. Le deuxième livre, c'est Le chemin des fugues. Alors, celui-là a été publié, je crois, en 2017, si mes souvenirs sont bons. 2015, oh mon Dieu, le temps passe vite. Celui-là, Le chemin des fugues, a été publié en 2017, voilà, c'est celui-là. Et Pierre Chaunier, qui est un petit peu mon double, de loin. Jusqu'à présent, il y avait un personnage qui était aussi mon double, que j'appelais Antoine, dans certains de mes bouquins, où le jeu n'était pas employé. Il fallait que j'ai un autre personnage, donc j'ai fait naître un personnage qui s'appelle Pierre Chaunier, journaliste un peu à l'ancienne, un bon cinquantenaire, dépassé par les nouvelles technologies, un peu réactionnaire, mais avec des idées, politiquement il est vraiment très à gauche. Elle lui apprend, elle dit je vais partir, je vais quitter, la vie de couple me convient plus, je t'aime mais... je suis trop indépendante pour le couple. Bon, lui, il pense qu'elle a rencontré quelqu'un.